Fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir. Bonsoir à vous qui nous suivez à Pointe-Noire, dans le Mayombe, en Kayi, Bouansa et Ouesso, sans oublier les autres localités qui reçoivent la Radio Maria. Aujourd'hui, nous parlerons de Saint-Michel à la fin du monde. Comme nous le savons tous, le mois de septembre est dédié à Saint-Michel et pendant tout ce mois, j'ai choisi pour thème Saint-Michel-Archange. Nous avons vu Saint-Michel à l'heure de la mort, Saint-Michel au tribunal de Dieu et aujourd'hui nous terminons avec Saint-Michel à la fin du monde. Au microphone, vous aurez Nathalie Bouelassa et à la réalisation, notre frère Ghislain Egouya. Je souhaite à tous les auditeurs d'excellentes conditions d'écoute. Saint-Michel à la fin du monde. Et la parole de Dieu est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Aussitôt, dit l'apôtre, que le signal aura été donné par la voix de l'archange, et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel, et ceux qui seront morts avec Jésus-Christ ressusciteront les premiers. Baya yaluzolo benumutrelandaka émission nos amis du purgatoire. Bobia ebetke nakuzondi la Saint-Michel nantangu ya la fin du monde. Nantsukunu ya ntoto yai. Ndinga ya nzambi kena 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Yina kena kuzonzi la signal. Yina keku wakana nantangu yina bet kekuma na la fin du monde. E signal yango ni archange kena kupesa yao. Ba yina keku fwa kintwa dina Jezu ba ke vumbuka yantete. Avant Bayakaka, na signale yina. Souvent, le culte de Saint-Michel est entrelacé avec celui de la Vierge Marie. Les deux luttent contre le diable. Les deux sont représentés comme ils écrasent sous leurs pieds, sous la forme d'un serpent ou d'un dragon. Tous deux avant tout, sont les protecteurs de l'humanité contre le mal. Et selon une ancienne tradition, c'est Saint-Michel l'archange qui jouera de la trompette du jugement annonçant la fin du monde. Bernardin de Piquigny dit que cet archange est Saint-Michel et que c'est d'après ses ordres que les esprits angéliques rassembleront des extrémités du ciel, les élus de Dieu. Alors, dit l'Évangile, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Quel est ce signe? La croix de Jésus-Christ, le porte-étendard des élus. L'Église nous l'apprend. À leur tête, l'archange Saint-Michel porte l'étendard de la croix, emblème de la victoire. Victoire pour nous les croyants. C'est donc Saint-Michel qui a pour mission de réunir les élus sous ce drapeau du chef des prédestinés. Si nous voulons que cette croix,
Que ses plaies nous attirent au jour de la grande victoire. Si nous voulons qu'elle nous glorifie, rendons hommage pendant la vie à la croix du calvaire, aux plaies sanglantes du Rédempteur. Souvenons-nous qu'il n'y aura pour suivre Jésus dans sa gloire que ceux qui l'auront suivi dans ses humiliations et ses souffrances. Bayaya, l'église que nakuzonza na betoti, nantangu ina, signale à la fin du monde que kuwakana, ni Saint-Michel, mutkepesa, bazordre na ba ange yandi, et ni kuna, bayina kufuaka, ke kukutakana, bayina bake na kubokila, les élus de Dieu. Alors, dit l'Évangile, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Kidimbu ya mwana ya nzambi niki, ni kurusu, la croix. Yina ni kidimbu ya mfumu Yezu, yake mutindu drapo, ni l'église ke nakuzonza. Namantwa la yaba ange ke kuvanda Saint Michel Archange yina kenata kidimbu ya krusu kidimbu ya victoire beto ba chrétien betmeza bati kana betme ku ndima mpasi kintwa dina Yezu betkeza ba kununga na yanzi. Kasi, betufwa na kudima tete mpasi yina. Eke jimbu ya mpasi na luzingu ya betu. Ni krusu. Ba mpasi yina betke na kutala. Kana betme kundima yao. Yake vanda mutindu, chemin de croix betke na kusala na manima ya mfumu Yezu. Ni Saint-Michel, mutke na luve ya kuvuki saba na ya nzambi. Na isi ya drapo ina. Kanabet me kundima krusu yangu. Kanabet me kundima bampasi. Bamputa ya luzingu yai. Na kilumbu ina. Betke vanda na kilengi. Kasi betufwa na kundima tete. Mpasi ya luzingu. Betufwa na kundima tete. Kudiata na manima ya Christ na chemin de croix. Kanabetu zola kuvanda kile, na kilengi na yanzi. Souvenons-nous qu'il n'y aura pour suivre Jésus dans sa gloire que ceux qui l'auront suivi dans ses humiliations et ses souffrances. Comme pour dire que pour participer à la joie de Pâques, il faut passer par le chemin de croix. Il faut passer par le vendredi saint. Et yinani ki dimbu ya mpasi. Yina betu fwana kundima awa nantoto. Yake mpasi mingi na beto na kundima bampasi. Kasi kanabet me kangama na Yezu. Yanke zaba kupesa beto ngolo ya kundima bampasi ya luzingu ya beto. Ya kundima bampasi samu na bampangi. Kana betu zola kuvanda kintwadi na yandi. Nantangu ya kilengi. Betu banda tete na kundima bampasi. Yina mzambi kena kutula na katikati ya betu. Samu na kutalisa betu mpasi ya mpamba ve. Kasi samu na kukulisa betu na kiminu. Na kusukula beto na masumu ya beto. Yake purification. Betke sala samu na bampasi na betke ndima. Yina ke lakisati ya cheleka betke ya kukangama na Jésus Christ. Purification. Expiation samu na kufuta. Bamfuka yina betme kontrakte. Na masumu yina betme sala awa nantoto. Paya ya luzolo betke
Vutuka fioti na manima ya talatala samu na mwanzi. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire ainsi nous prions. Saint-Michel, prince de la milice céleste. Saint-Michel, précipitez en enfer. Saint-Michel, par la force divine. Saint-Michel, Satan et ses démons. Fidèles auditeurs, nous poursuivons notre émission, nos amis du purgatoire, après ce coussin musical, et nous parlons ce soir de Saint-Michel à la fin du monde. Souvenons-nous qu'il n'y aura pour suivre Jésus dans sa gloire que ceux qui l'auront suivi dans ses humiliations et ses souffrances. Kanangezo la kuvanda, namfumu Yezu nankembo yayandi, ngefwana kunji matete, mpasi ya luzingu yange, ni mpasi na kesalati nge kuvanda kintuadi namfumu Yezu. Oserions-nous prendre place sous ce royal étendard, le saluer avec confiance au jour de son triomphe, si pendant la vie, le mystère de la croix nous avait été indifférent, surtout si nous avions été des ennemis pratiques de la croix de Jésus. Mutindu muzonza kaya u kanangezo la kuvanda, na kilengi kutala nkembo ya mfumu Yezu na kilumbu ina, ngefwa na kusala tete chemin de croix yange na manima ya yandi. La croix, symbole de souffrance, la croix, symbole de victoire. Après les larmes vient la joie. Kanabetuzo la kuvanda na kilengi. Beto natatete krusu ya beto. Yake mpasi mingi na beto. Mekanange mekangama na mfumu Yezu. Puisque kena bayina kulanda kanzila ina kunungaka. Entangu nyonso mfumu Yezu kena kusala na katikati ya beto. Le Saint-Esprit a à l'œuvre pour nous sanctifier. Saint-Michel pe kena kunwani na beto. Niya wi na beto fana kuvanda na kivuvuti. Kanabetu me kujiata, kanabetu me kunwata, kanabetu me kunwana. Muzingu ya beto ya ntoto yai. Beto mpeke zaba kuvanda na kilengi. Na kilumbu ina mfumu Yezu ke kwisa na kufundisa bantu ya moyo na ya kufwa. Dans la tradition catholique, Saint-Michel a quatre devoirs. Premièrement, continuer à lutter contre Satan et les autres anges déchus. Deuxièmement, sauver les âmes des fidèles de la puissance de Satan, en particulier à l'heure de la mort. Troisièmement, protéger le peuple de Dieu. Et enfin, quatrièmement, conduire les âmes des défunts de cette vie et les présenter à notre Seigneur pour le jugement particulier et à la fin des temps pour le jugement final. Ba devoir ya Saint-Michel. Inabaka na kuzonzi la beto, nantangu yai, Saint-Michel kena ku continue ku nuana contre Satan. Na ba zonge ina, bake bokla les anges déchus bayi na kubwaka na Satan. Ina ba bingisaka na Zulu. Ya zole, Saint-Michel, ke katulaka bilunzi, ya bayi na kia kukanga mananzambi, yani ke katulaba u na maboko ya Satan, surtout na ntangu ya lufwa. Ni yina betalaka na emission ya tete yin betbandaka ngonda ya septembre ya Saint-Michel. Saint-Michel à l'heure de la mort. Ya tatu ni ku protéger le peuple de Dieu, ku protéger beto contre Satan. Na nyonso yina betke na kubwaba na ba épreuve, ba tentation,
Saint Michel qui na kunuani na beto. Yaiya ni kunata bilunzi yabayi na mebi kaluzingu yantoto yai. Na kunata bau na sika yanzambi samu na jugement particulier. Jugement particulier ni na ke kusalama kanalufwa ya muntu mosi. Mume kufwa muke vanda na jugement particulier. Ngeme fwa ngeke vanda na jugement particulier. Yinake différent na jugement dernier yinake kusalama na la fin du monde. Betke kilunzi ke lutaka tete na jugement particulier. Bake bokela ya particulier parce que yake individuel ya muntu mosi. Passage obligé. Et depuis babantu bandaka kufwa bake lutaka na jugement particulier. Kasi jugement ina ke vanda ya bantu nyonso na bayina kufwaka na bayina ke moyo na ntangu ina trompete ina ke sonne ni ina bake bokilaka le jugement final ou le jugement dernier enikuna yake kusalama na la fin du monde. Donc rôle ya Saint Michel ni ina betke na kutala ba devoir tatu l'église ke na ku pesa beto Samuna Saint Michel. Kasi Saint Michel kepe na ba mission. Il est le prince des armées de Dieu. Betke tanga yao na Apocalypse 12 verset 7 à 9. Saint Michel, prince des armées de Dieu. Saint Michel nous apprend à être fidèles à Dieu en fuyant le péché, en résistant aux tentations. Il nous apprend à être fidèles à Dieu. Saint Michel est le défenseur des chrétiens. Il est l'intercesseur pour les malades et les défunts. Souvent, peut-être penser, v, na ku demander intercession à Yandi, na mbaka ya bimbevo, to sam na bilundi, ya bampangi ya betuina mekufwa. Saint Michel est le gardien du purgatoire. Saint Michel est le protecteur de l'Église. C'est lui qui intervient dans la lutte finale contre l'Antéchrist. Antéchrist ni ennemi, ya Christ. Yina ke kukwisa na kuvuna babantu, sam na kubwisa bawu na masumu. Ba passage ke mingi sur Saint Michel. Betlenda ku pesa nyon sauvé, mais mouke pesa kaka mwandambu, ina betke tanga, na Josué, chapitre 5, verset 14 à 15, Genèse, chapitre 16, verset 7, Exode 3, verset 2, betke suka kaka nikuna. Yawi na bayaya avant de continuer. Betke lomba jaka na Gislain na kutula beto nzimbu. Saint Michel archange défendez-nous dans le combat. Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire ainsi nous prions. Saint Michel prince des armées célestes, Saint-Michel, précipitez en enfer, Saint-Michel, par la force divine, Saint-Michel, Satan et ses démons. Merci à Ghislain pour cet intermède musical. Fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Nos Amis du Purgatoire et ce soir nous parlons de Saint Michel à la fin du monde. Nous venons d'énumérer les missions de Saint Michel. Il n'a pas de kuzonza, prince des armées de Dieu, des armées de Dieu. Prince, il y a armée et Nzambi. Saint Michel, kenaku lakisabeto, naku kangama na Nzambi, la fidélité à Dieu. Saint Michel, défenseur des chrétiens, niyandi kenuaninaka. Bah, chrétien. Saint Michel, intercesseur pour les malades et les défunts. Mutindu me kuzonza yawu
Peut-être que penser veut nous demander intercession, il y a Saint Michel. Nabaka ya maladie, to samu, nabilunzi ya bampangi ya beto ina mekwenda. Saint Michel, gardien du purgatoire. Petmezaba yi ki gardien ki salaka. Yandike le gardien ya purgatoire, ni yandike protecteur de l'église, ni yandike bumbaka l'église. Yandike bumbaka l'église. Ni yandi mutke nwanina ka beto. Nakati ya ba tentation, na ba épreuve une bête na kubuabana. Au dernier jour du monde, lorsque notre divin ressuscité paraîtra assis sur les nuées du ciel pour juger le genre humain, Saint Michel aura à remplir un ministère formidable lorsque, avec les autres anges, il accomplira la séparation des élus et des réprouvés qui auront repris leur corps dans la résurrection générale. Na dernier jour, yina ke vanda la fin du monde, nantangu yina Christ ke kwiza samu na kufundisa bantu ya moyo na ya kufwa, Saint Michel ke vanda kuna. Na bazonji ya kaka, ni kuna yanke separe, yanke tula na diboko ya bakala. Bayina mevanda fidel na nzambi, yanke tula na diboko ya kento, bayina memanga luzi, bayina memanga nzambi na luzingu ya bao awa na ntoto. E ni kuna betke na kutala, role ya Saint Michel na la fin du monde. Beto fwana, kunjima yao, kukroa na yao, puisque yake na kati ya credo. Le Christ est monté au ciel, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tout à l'heure, j'ai parlé du jugement particulier qui concerne chacun de nous de façon individuelle, à l'heure de la mort. Mais il y a aussi le jugement dernier ou jugement final, jugement général pour les vivants et les morts. Bayina ke vanda tete moyo. Bake luta na mfundu suyina na la fin du monde. Bayina kufwaka, ba luta na jugement particulier, na ntangu ina ba vandi kufwa, bake luta diaka na mfundu su ya la fin. Ya bantu nyonsu, ina bake bukulaka, jugement dernier. Nikuna bayaya, betme kutala, rôle ya Saint Michel, ngonda yaye nyonsu, nantangu ya lufwa, yiki Saint Michel ke salasa mnabeto, na manima ya lufwa, ina ngeme kuma na mfundusu, yiki Saint Michel ke salasa mnange, e bubi yaye betme kutala, yiki Saint Michel ke sala, oui, que ça là, na la fin du monde. Émission Yabeto, Yaboubouya, Yime Manessa. Vanda Kanabeno, Kintuadi, Nathalie Bouelassa. Et na manima ya talatala, mekouvanda, Ghislain Egouya. Mouke profite, na koupe sambote, na bampangi Yabeto. Il y a suffrage na la Lueme, il y a Louise na ya Simon la Bampangi, il y a Mbongi ya Yandi, Mbongi ya Pilikondi, mukena la kupesa ba upe mbote, na tata Etienne na kenche Yandi, il y a Mami ya Umba, na Bampangi nyonso ya Dibundu kuna na Pilikondi. Mukena la kupesa Jaka mbote, na Bampangi ya Beto, les dévots des âmes du purgatoire de la paroisse Sainte Joséphine Bakita na Kufuli. Matondo na beno nyonso mekulanda émission ya Bubu Yai. Ah mfumu, bevan luvundu tisaki saka. Ah mfumu, kichese tisaki saka timanikini. Pesa ba ukizunu mfumu nzambi,
Nasikaina kensemo yaseko. Baume samfu munzambi ko kwensamina milembo wa. Baume samfu munzambi kurntiemen yela kuwa. Pesa bango bopemi yaseko pensengi ya lobiko engenge na bango. Accorde leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen. Ô Seigneur.